Yep les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se reprend une toute nouvelle technique Kama. Donc cette technique n'est vraiment mais presque inconnue sur tous les serveurs. Il y a très peu de monde qui le connaissent. En fait ça va être, vous savez, je sais pas si beaucoup de monde savent comment obtenir les panoplies, la panoplie du Worker. Et en fait elle s'obtient en achetant des jetons du Worker. Donc pour obtenir ces jetons Worker, il faut faire le donjon du Worker en fait, et à la fin du donjon, vous gagnez un jeton du Worker si je ne me trompe pas. Ou alors, voilà, il y a une chance de drop, donc 100%, donc vous l'obtenez forcément à la fin du DJ Worker. Et donc on va directement acheter ensemble. Donc voilà, donc on va en acheter le plus possible. Et en fait, vous allez voir un PNJ. Donc comme vous verrez dans le titre de la vidéo, donc on va en acheter 20 environ de jetons du Worker. Donc ça va faire 600 000 kama puisque ça fait 30 000 kama U. Donc on va, donc vous prenez le zap des plaines. Donc attendez, voilà, plaine rocheuse. En fait on va aller à la foire du troll et on va se rendre juste à côté en 11,41. Aussi, je vais bientôt vous sortir une vidéo sur les feux d'artifice. Donc, c'est vraiment aussi une astuce totalement inconnue. Que c'est vraiment dommage parce que ça, c'est cette astuce que je vous montre là et l'astuce des feux d'artifice. Je vous en dis pas plus. Que je vous sortirai dans une prochaine vidéo. Ce sont des astuces 1.29 que vraiment personne n'utilise à présent et même très peu de monde l'utilisait à l'époque. Même si c'est vraiment une énorme technique. Donc on va continuer sur la technique jeton du Worker. Donc ce que je vous montre c'est le chemin le plus court. Donc je vais mettre ma DD. Donc je descends. Alors vous ne pouvez pas utiliser de potion dans la foire. Donc ne vous étonnez pas si vous appuyez comme un malade sur le bouton et que ça ne marche pas. Il faut sortir de la foire. Donc je fais le chemin avec vous quand même, que vous sachiez comment y aller. Donc là il faut descendre. Vous allez à droite. Et après vous faites que de remonter. Donc je fouille les poubelles. Et ouais, mais il y a souvent, très souvent des choses très intéressantes. D'ailleurs sur ce, bon là il n'y a personne. Mais ceux qui jettent des choses à la poubelle, surtout faites attention parce que des fois vous jetez des choses très très intéressantes. Des fois je trouve des trucs à plus de 100 000 kama. Donc c'est vraiment pas mal, vous arrivez dans une poubelle, ça vous prend 30 secondes, tac tac, vous allez HDV, vous revendez. Ça vous fait 100 000 kama dans la poche. Plus souvent c'est des objets qui se revendent très rapidement. Donc là on arrive donc une map à gauche. Et là, on va. Il vous suffit en fait de parler à ce monsieur, Crow Jundon. Et en fait, il va tirer sur cette machine. Et voilà. Donc voilà, un pack surprise. Donc on va le faire 20 fois. Donc voilà, donc là, j'ai dépensé mes 20 jetons. J'ai obtenu 20 packs surprise. Donc, alors, ce qui coûte le moins cher en fait dans la panoplie Bwark. Ça va être les épées qui coûtent moins de 15 000 kama si je me trompe pas. Donc au pire on divise par deux les kama si on obtient des lames du Bwark. On peut aussi obtenir des amulettes. Ben en fait tout le reste vous fait du bénéfice. Donc en fait vous avez très peu de chances de ne pas faire de bénéfice. Et la plupart des items valent environ 120 000 kama. Donc maintenant on va directement ouvrir. Donc on va voir après ce qu'on aura obtenu. Donc j'espère vraiment que les 5 boîtes ce ne sont pas des épées. Parce qu'il y a autant de chances d'avoir l'un n'importe quel autre item que l'autre. Surtout faites-le en masse. Faites pas prenez pas que quelques jetons. C'est vraiment pas mal. Donc là on a vraiment salement bénéf. Les gens, regardez ça. Il y a seulement 3 lames. Il y a 3 bottes. Il y a 5 ceintures, 3 amulettes, 4 casques et un bracelet. Donc on va directement aller à l'HDV. Donc on a dépensé 600 000 kama. Donc je vais sortir la calculatrice à côté. Et surtout que ça se revend
très très rapidement 6 items. Surtout, il y a beaucoup de bots. Donc on va surtout mettre l'eau moins cher. Parce que, vous voyez, donc 95 000 kamas, je vais le mettre à 90 000. Donc voilà. Donc déjà, 270 000 kamas. Donc attendez. 1, 2, 3. Ah bah non, attends. On va faire 270 000 kamas. Plus maintenant les bracelets. Donc 129 000 kamas. Donc on va mettre à 125 000. Plus. Ouf, attendez. Mince. Plus 125 000. Plus maintenant on va aller à l'hôtel de vente des cordonniers. Donc vous voyez, on est déjà à 395 000 en seulement 4 items. Donc là, on avait les plus chers. Enfin, sauf l'amulette. C'est à peu près tous les plus chers, les items là. Il y a juste les lames qui coûtent pas cher et les slips. Donc on n'a pas eu de chance, on a eu quand même 5 slips. Bon, vous pouvez tomber sur 5, 5 bracelets. Donc 45 000 kamas x 5. Ça fait 225 000 kamas. Donc plus 225 000 kamas. Donc vous voyez, on a déjà dépassé de 20 000 kamas. Et il nous reste 10 items à vendre. Vous voyez comme ça rapporte vraiment. Donc 115 000 kamas les bottes. Donc on a obtenu 3. C'est pas mal. Donc ça fait 345 000 les 3 en plus. Plus. Donc les lames. Maintenant on va l'ôter en détail. Attendez. Ah, ça c'est vraiment dommage. On a obtenu en fait aucune cape. On va voir. Vous allez voir directement le prix de la cape. C'est bizarre. Normalement on obtient un peu de tout. À égale portion. Donc bon, la cape coûtait pas si cher au pire. Donc on va mettre 90 000 kamas. Voilà. X 4. Donc ça fait 360 000 kamas en plus. Plus. Donc les lames, on va à l'hôtel de vente de forgeron. Donc vous voyez, ça va vraiment rien coûter. D'ailleurs, ça m'étonne que les lames ne coûte presque aucun kama, puisqu'on ne peut pas les drop. Donc vous voyez, 18 000. Je comprends pas pourquoi ça coûte pas autant chaque. Surtout que la demande des lames est presque 3 fois supérieure que les autres items de la panneau work. Donc vous voyez, 1 million. Donc on va enlever les 600 000 kamas que ça nous a coûté. Donc vous voyez, 770 000 kamas de bénéfice en faisant 20. Donc vous pouvez en faire beaucoup plus. Vous pouvez faire x 50, mais c'est pas recommandé puisque ça va casser un peu le marché. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit bénéfice si vous voulez faire des kamas pour les petites panneaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Allez, ciao ciao les gens.